Nous nous inquiétons pour votre bien-être. Nous voulons donc participer à votre évolution et surtout à votre succès. C'est la raison pour laquelle que nous recevons pour vous à chaque fois des invités de marque, des invités de choix qui puissent vous donner les informations donc importantes et complémentaires pour vous permettre donc d'évoluer et d'agir comme cela se doit. Bienvenue sur Shop & Shop. Merci d'être avec nous encore une fois. Aujourd'hui, nous allons vous proposer encore les bons plans et les meilleures opportunités que nous avons à notre actif. N'est-ce pas, Kenneth? Tout est dit. Bonjour, Laurette. Bonjour, Kenneth. Très belle introduction. Merci beaucoup. Ça m'arrache, comment dire, ça me met un peu, ça me rend muet. Parce que justement, j'avais des trucs à dire. Je me suis dit, elle a tout dit. D'accord. Donc, chers amis téléspectateurs, c'est le rendez-vous à ne pas rater pour bien finir votre matinée. Mais au-delà de ça, pour vous informer tout en vous divertissant. Donc, nous sommes là pour votre plaisir. Et bienvenue sur Shop & Shop. Comme je le disais à l'entame, nous nous inquiétons pour votre bien-être et c'est la raison principale pour laquelle le premier détour de cette émission est consacré à votre bien-être. On va s'installer pour le menu du jour. Alors aujourd'hui encore, nous allons nous essayer à la cuisine avec notre chef improvisé, chef Kenneth. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Ouais, tu sais quoi, on est en fin d'année et nous avons des habitudes culinaires pour les grandes occasions, les jours de fête. Oui, je me rappelle à la maison, souvent avec maman, c'est du cassoulet. Ou du riz au gras ou du amiro. Avec beaucoup de légumes. Voilà. On sent une différence entre les mets de chaque jour et les mets de ce jour-là. Bien sûr. Donc, tout au long de ces semaines qui vont précéder, ces jours plutôt qui vont précéder les fêtes de fin d'année, nous allons redécouvrir les bons mets de chez nous et surtout les mets que nous affectionnons pour les périodes de fête. Donc aujourd'hui, nous allons redécouvrir la recette du amiwa au poulet. Je crois qu'on en a déjà parlé une fois ici. Bien sûr. On redécouvre encore le menu sous une autre forme. D'accord. Alors, ça sent très bon, en tout cas, je vous rassure. Et vous avez envie de reprendre cette procédure, voilà, se met à la maison. Je ne pense pas que ça puisse coûter
trop cher, surtout que nous sommes en décembre. Faites-vous plaisir, pourquoi pas les vendredis soirs, les samedis ou les dimanches matin, très souvent. Voilà, exercez-vous. Et surtout, faites-nous le retour. Dites-nous si vous avez pu réussir à ce AmiWall-là. Et invitez-nous quand même une fois pour que nous puissions venir participer à la dégustation, ne serait-ce qu'une fois, n'est-ce pas, Kenneth? Tout est dit. Là, dans ce menu, le AmiWall était au poulet. Mm-hmm. On pourrait encore avoir avec d'autres viandes peut-être blanches. Peut-être avec du lapin. Du lapin, mm-hmm. Aileron, mm-hmm. ou d'autres, c'est en fonction de votre préférence. D'accord. Donc, merci beaucoup pour cette très belle proposition gastronomique. Chef Kenneth, chef improvisé Kenneth. Qui commence pas à être certifié. L'improvisation finie. En tout cas. Alors, quelqu'un qui va nous parler de certification tout de suite et maintenant, c'est bien sûr notre invité de choix, de marque. On s'installe pour le recevoir. Alors, il est bien installé dans son fauteuil d'honorable invité. Ce n'est pas un invité inconnu sur les plateaux du Shop & Shop et surtout inconnu à nos chers amis téléspectateurs et internautes de Eden Télévision. Alors, je laisserai donc cette lourde tâche à Kenneth Kwasi de bien vouloir nous le présenter. Bon, nous serons, aujourd'hui, nous allons parler d'agrobusiness, nous allons parler de production locale, nous allons parler de la valorisation de la production locale et nous allons découvrir ou redécouvrir pour les amis téléspectateurs qui nous suivent pour la première fois une marque, la marque Matanti. Donc, toute la gamme Matanti et la valeur ajoutée de la gamme Matanti. Et ce sera avec leur ambassadeur, en la personne de M. Serge Patrick Zimbouedo, qui est nutritionniste et diététicien. Bonjour, Monsieur Patrick. Monsieur Serge Patrick Zimbouedo, c'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir à nos côtés. Vous êtes les bienvenus sur Shop & Shop, en tout cas. Merci. Et surtout avec cette casquette-là, nous sommes très ravis. Voilà. On sent qu'on parlera pratique, on parlera nutrition, on parlera de valeur nutritionnelle. Mais avant cela, j'aimerais quand même que vous aidiez nos amis téléspectateurs qui nous suivent à mieux connaître comment dire, le géniteur de la marque Matanti. Oui, vous savez que le géniteur de la marque Matanti, c'est la société Alpha Bénin. Mm-hmm. Alpha Bénin, c'est nous produisons des pâtes alimentaires, d'accord, spécialement la marque et Matanti. D'accord. Ouais, d'accord. Vous savez, c'est un nom qui signifie beaucoup de choses. Mm-hmm. Et ça commence par la lettre M. Mm-hmm. Et ça finit par I. Mm-hmm. Donc, c'est un peu métaphysique ce que je dis. D'accord. Et c'est profond. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais on va quand même... vous allez nous présenter quand même la gamme complète, comme on voit à l'écran. Il n'y a pas que des spaghettis qu'on a l'habitude de voir. Oui, vous voyez comme ça les spaghettis longs. Mm-hmm. Les coquillettes, il y a aussi les vermicelles pour les enfants. Mm-hmm. Je pense qu'il y a aussi du fusilli, c'est-à-dire c'est des spaghettis qui ont des formes un peu comme la forme de vis. Là. D'accord, donc, une forme spirale. Spirale, voilà. Mm-hmm. Donc il y a des variétés, on a des variétés de matanti, de spaghettis matanti, mm-hmm. coquillettes, vermicelles, mm-hmm. spirales, beaucoup de choses. Mm-hmm. Et les conditionnements, combien de les grammages au niveau de la table? Il y a pour 250 grammes, d'accord. Il y a pour 100 grammes, mm-hmm. il y a aussi pour 500 grammes. D'accord. Tout à l'heure, au niveau des spaghettis, j'ai vu une couleur bleue, une couleur rouge. Une couleur verte. Verte, pardon. Verte, je deviens daltonien. Donc, du vert, du rouge, il y a une explication. Oui, bon, vous savez, c'est une explication un peu profonde. Mm-hmm. L'essentiel est que nous sommes là pour identifier les variétés, les gammes que nous avons. Mm-hmm. Et parce que vous savez que la couleur verte, c'est une couleur qui apporte beaucoup de bonnes vibrations. Mm-hmm. Et de même que le rouge attire l'attention. Mm-hmm. Pour dire, il faut savoir que nous sommes de bonne qualité, mm-hmm. et il faut nous choisir. Mm-hmm. Et la couleur bleue, il est dans l'harmonie, mm-hmm. et il est dans l'univers. Mm-hmm. Il ferme les quatre angles, mm-hmm. et il vous dit, revenez vers moi pour une bonne consommation. Donc, il n'y a pas de hasard au niveau de Matanti. Donc, vert, rouge, bleu, express, premium et autres. Donc, au niveau de Matanti, on ne fait pas les choses comme tout le monde. Mm. Il doit avoir une particularité au niveau de la gamme du produit. Mm. Quelles sont les particularités des produits Matanti? Merci beaucoup. Vous savez que Matanti nature. D'abord, on se situe où? Mm.
Parce que les gens demandent, ils me posent la question pour dire vous êtes où dans le pays. Lorsque vous quittez Cotonou pour Porto-Novo, il y a la zone franche industrielle. Bien sûr. Vers Sémé. Qui est vers Sémé. Donc, arrivé au carrefour Sémé, vous prenez naturellement la voie de Sémé, tout juste à votre gauche. Même les M, tous ceux qui sont au carrefour là, ils vont vous accompagner directement dans notre entreprise géniteur Alpha Bénin. D'accord. Donc, arrivé là, vous verrez que c'est une maison blanche bien construite. Mmh. Et c'est chez nous. On a, toutes les installations, sont là. Et bien structurées, codées par des personnes ressources qui surveillent tout ce qui se passe dans l'industrie. D'accord. L'hygiène, les contrôles, ISO, tout est normalisé chez nous. D'accord. Donc, avant d'entrer, il faut que tu te munisses de ta carte d'identité pour pouvoir inspecter la maison. Mmh. Nous sommes là à vous accueillir à cœur ouvert et vous montrer comment ça se passe. La chance que nous avons, ça se fait dans notre pays. C'est jamais vu, ça se fait dans notre pays. On n'importe pas. D'accord. Non. Donc nous avons des pâtes alimentaires made in Bénin. Voilà. Vraiment made in Bénin. Moi, je pense que c'est un exploit et nous devrions Revenons sur la particularité des composantes des pâtes matantines. Ce qu'il faut retenir, l'OMS recommande que l'individu doit consommer au moins soit 10 à 75 grammes de glucides par jour. D'accord. Donc, nous, notre spaghetti contient 75 grammes de glucides. D'accord. L'OMS recommande aussi de prendre 10 à 12 grammes de protéines par jour. D'accord. Notre spaghetti contient 12 grammes de protéines. D'accord. Et l'OMS recommande aussi 0 à 5 grammes de lipides par jour. Mm-hmm. Notre spaghetti contient 5 grammes, 1 gramme de lipides. Mm-hmm. Je dis bien 1 gramme de lipides. Mm-hmm. Alors, ça c'est une particularité. Mm-hmm. De même, on a les vitamines. Mm-hmm. B en est égalité. Mm-hmm. La vitamine B, c'est rare de trouver ça dans certains aliments aujourd'hui. Mm-hmm. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand nous les Béninois, on a un comportement. Quand on attend que la chose est moins chère, on commence par courir pour aller acheter. Mm-hmm. Attention. Quand vous voulez acheter, il faut savoir ce que je vais acheter et que ça contient quoi. D'accord. C'est ça notre particularité. Mm-hmm. Donc, quand je prends notre spaghetti, nous avons au moins 24,5 mg de magnésium et 51,1 mg de potassium. Ça, c'est l'expert en diète, en nutrition qui le dit. Oui. Et moi, je suis une fan consommatrice des pâtes alimentaires matantines. Et la particularité que je remarque en tant que, bien sûr, consommatrice, comme tout le monde, c'est que ce sont des pâtes qui ne collent pas du tout. Très bien. Absolument pas du tout. C'est on dû avait, à la qualité du blé ou, Oui, ou il y a un autre enfant, c'est ça. Qui... D'accord. Elle a fait la remarque, ça ne se colle pas. Mm-hmm. Et la durée de cuisson, c'est 36 heures. Excusez-moi, la durée de conservation, c'est 36 heures. D'accord. Après la cuisson. Heures. Après la cuisson. Sans réchauffer. Sans réchauffer. Oui, c'est vrai. Quand vous ne réchauffez pas, et vous laissez peut-être à l'air, vous laissez le vent passer, ça ne se détériore pas. Jamais. C'est vrai. Parlant de cuisson, justement, nous avons la chance d'avoir un nutritionniste avec nous. Mm-hmm. Nous avons la chance d'avoir un diététicien avec nous. Il y a une manière spéciale de préparer certains plats pour conserver leur valeur nutritionnelle. Mm-hmm. Nous sommes dans le cas présent de Matanti. Nous avons plusieurs mode de cuisson des pâtes alimentaires, vous nous suggérez quand même une manière de cuisiner ou des habitudes, des bonnes habitudes de cuisson à avoir dans le cas présent des pâtes matantines pour garder toutes les valeurs nutritionnelles des pâtes. C'est très simple. En tant que nutritionniste, il faut, en préparant, je dois conserver les vitamines et minéraux. Justement, oui. C'est pourquoi il faut respecter dans les normes. Mmh. Il faut être dans les normes de cuisson. Mmh. Ce que nous fabriquons, ça devient, parce qu'il y a la cuisson diététique, semi-diététique et raffinée. D'accord. Alors, celui qui consomme Matanti, il doit avoir des principes de consommation tels que nous avons spaghetti express. Express, c'est 2 à 4 minutes de cuisson. D'accord. Je pense que c'est ça qui est la couleur verte. La couleur verte, voilà, ok. Voilà. Express, 2 à 4 minutes. Ça, c'est pour les célibataires. Quand on revient du boulot le soir à 23 heures, on ne veut pas beaucoup Et il y a les pâtes tradition. Et dis-toi, même quand tu prépares ça le matin, en petit déjeuner, tu prends. Et si tu peux laisser ça à l'air libre, on réfère aux 36 heures de conservation. Bien sûr. Sans aucun additif. Et le soir, tu réchauffes, tu mets l'oignon là-dessus,
tu manges. Tout simplement. Parce que le matin, tu étoffes ça de carottes, de légumes. D'accord. Et le soir, tu mets les antioxydants, oignons, ail, feuilles de laurier, tu sautes ça, tu manges, tu dors. Super. Correctement. Donc, alors, express, ça fait déjà 2 à 4 minutes. D'accord. Okay. Express. Okay. Maintenant, tradition. C'est ça, la couleur rouge. Rouge. Mm-hmm. Tradition de 4 à 6 minutes. D'accord. Mm-hmm. Quelqu'un qui commence pas à préparer notre spaghetti et se vanne, se commence pas à regarder la télévision, mm-hmm. bien c'est quoi. Et s'il dépasse un homme, c'est fini. Il a perdu les vitamines, minéraux, les 75 grammes de glucides, 12% de protéines, mm-hmm. 1 gramme de lipides, il a tout perdu. Donc il faut respecter en fait le temps de cuisson. Très bien. Oui, très et c'est important. Ça qu'on ne fait pas. Et souvent, on ne commence pas à se condamner pour dire non, c'est pas bon, non, c'est faux. Donc, autre chose, c'est ça la particularité. Quand tu veux manger du bien, sois conscient devant ce que tu fais. D'accord. Et là, tu respectes ces normes et tu as du bon macaroni. Et dites-vous, j'ai fait l'expérience en tant que nutritionniste, c'est pas que je suis en train de jeter des fleurs. Mm-hmm. Il y a des gens qui souffrent de l'ulcère, ils sont venus chez moi. Je les ai dit, je donne des recettes pour préparer spaghetti. Mm-hmm. Ma tante, quand ils ont fait, membralement, ils ont compris que soulager que le c'est, mal. C'est très important ce que j'ai dit. Et je les ai dit, le petit déjeuner, c'est très important au spaghetti matanti, avec des jus de fruits. D'accord. Oh là là. Donc, je pense que la recette est tout trouvée au petit déjeuner. Nous vous conseillons des spaghettis matanti. Vous sautez, accompagné de légumes, carottes, choux, petits pois. On va mettre du petit pois dedans. Non, un peu de. Un peu de choux, un peu de carottes. Faire assez de légumes le matin. Beaucoup de légumes le soir, matin. Et un jus de fruits, jus d'orange, jus de goyave, jus de mangue, jus de pastèque. Naturel. Voilà, très naturel. Pressé. On revient en nutrition, ce qu'on appelle macronutriments et micronutriments. D'accord. En petit déjeuner. La personne, il est équilibré, il est lucide, parce qu'il a bien et mangé le matin. Parce que j'ai dit bien manger. Ce n'est pas aller prendre yogourt, toko et pâté. Non. Non, ce n'est pas ça. Bien manger, et il est lucide, il travaille, il pense bien, il sort du bon produit. D'accord. Alors, à midi, on pourrait donc, pourquoi ne pas sauter ça dans une petite sauce sauce tomate, accompagnée de poisson frit. Voilà. Je pense que je m'attelle bien, je m'exerce bien au travail de diététicien. Merci beaucoup. Et le soir, je pense que vous avez parlé d'ajouter des antioxydants, râper de l'oignon, de l'ail, des feuilles de laurier, et le tout est joué. Merci beaucoup, M. Zivanidou. C'est un plaisir pour nous de toujours recevoir vos conseils de spécialistes. Chaque fois qu'on le reçoit, on apprend un plus. Actuellement, casquette Matanti. Où trouver les produits Matanti et quels contact vous laissez pour ceux qui ont envie d'en prendre ou ceux qui ont envie de distribuer les produits Matanti? Oui, c'est partout, dans tous les marchés du Bénin, à Kanté, de Cotonou jusqu'à Parakou, Nati Tiengou, Malanville. D'accord. Partout. Pour nous contacter, c'est le 94 35 97 17. 94 35 97 17. 97 91 36 36. 97 91 36 36. Et si vous avez besoin de moi-même, c'est le 66 46 06 82. 66 46 06 82. Les fêtes s'amènent. Je vous recommande plusieurs. Si quelqu'un m'appelle, je lui propose une vague de recettes pour varier au spaghetti matanti. C'est très important. Super. N'allez pas prendre du spaghetti et douillé mélangé. Non. D'accord. Appelez-moi, je vous donne des conseils qu'il faut. Et vous allez bien consommer notre spaghetti. Toute la gamme Matanti. Voilà. Donc, c'était Serge Patrice Zimwedo, ambassadeur de la gamme Matanti. Avec lui, nous avons vu ce que la gamme Matanti a de plus que les autres modèles de pâtes. Et surtout, comment bien préparer les pâtes de la gamme Matanti pour garder leur valeur nutritionnelle. Et enfin, comment devenir distributeur et où contacter Alpha Bénin pour distribuer ou consommer les produits Matanti. Merci beaucoup. Notre nutritionniste maison. Merci à vous, Kenny. Merci également, Monsieur Serge Patrick Zivoyedo. On dit merci également à toute cette industrie béninoise qui s'attelle de jour en jour pour nous offrir donc un produit de qualité. On vous dit merci et à nos téléspectateurs, aux Béninois, à la population béninoise.
Les produits Matanti sont des produits fabriqués au Bénin et d'origine béninoise. Alors nous devons d'abord consommer nos produits avant d'aller expérimenter les autres produits. Consommons béninois, tout simplement, consommons les pâtes alimentaires Matanti. Surtout s'ils sont de bonne qualité. Oui, comme surtout s'ils sont de bonne qualité. Alors nous, on va faire un autre tour de l'autre côté de la régie et regarder un petit récapitulatif sur la société Alpha Bénin. Sur le marché des spaghettis, vous avez deux choix. Les spaghettis Inks et les spaghettis Matanti. Le goût Inks ou notre saveur unique. Faites votre choix. Spaghetti Matanti, c'est vraiment notre saveur unique. Fabriqué au Bénin, en vente partout. Les spaghetti Matanti, fabriqués au Bénin, en vente partout. Et vous avez envie de faire comme cela, consommer béninois, consommer les pâtes alimentaires de qualité. Nous, on poursuit notre aventure par ici et nous allons donc quitter la bonne qualité en matière de produits agroalimentaires pour passer à la bonne qualité en matière de bien-être. Et d'un autre niveau, c'est l'humour. On y va. Hé, grand frère, comme je te disais là, il y a un gars là. Ah, il est mal frais. Quel gars encore? Toi, toujours, tu me montres les gars, ils m'ont laissé dessus. C'est pas le même truc, man. C'est pas le même mal truc. Frais. Là, c'est ta blette, ouais, il est fond. D'accord. Il va venir voir tout à l'heure là même. Donc, tu et puis, il est guidé où même? Il a l'argent. D'ailleurs, d'accord, ben. Oui, ben, il est on sait jamais. Tu perds mon transport, hein? Il va payer. Ça fait depuis là, tu m'as dit, il vient depuis il 14 heures actuellement. Il s'est fait ça, il dit c'est mon mogo jazz. Ton mogo jazz, pointe est mieux. Depuis là, moi je suis fatigué. Oh, ah, c'est pas lui qui est là. Cheveux jaunes qu'elle est là. Oh, mais, quoi, mais il est mignon. Oh, il y a des cheveux complètement sales. Ça, c'est le mendiant avant. Alors, lui qui est là. Non. Depuis. Non. C'est pas lui encore. Oh, c'est moi qui passe. Non, non. C'est moi. On a posé hier soir sur WhatsApp. Mais bébé, attends. Quoi? C'est pas toi que je parlais sur WhatsApp. Tu parles avec moi sur WhatsApp. Oui. Aïe. C'est pas lui aussi. C'est ça. C'est qui? C'est vous? Je comprends pas. Ça t'a loupé. Il y a un moment qui est là. Hein, papa, il a dit tu as fait un guénon. Il y a moi vilain quoi. On vous parle toujours. Choisissez les gens, pas parce qu'ils ont l'argent. C'est ça qu'elle a. Il te ment bicyclette. Ça c'est bicyclette, ça c'est vente. Fais. Il y a comme les vilains. N'est la mort. Allons, maison. Alors là, ça me dépasse. Hein. Je suis complètement à terre, voilà, tout simplement. Donc, il est vilain comme la mort et quand on est beau, on est quoi? On est beau comme la vie, alors du coup. Je sais rien. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe par ici. Dans la bonne humeur, nous vous donnons donc les informations de qualité, les bonnes informations. Nous vous donnons les bons plans et surtout, nous mettons à votre disposition les meilleures opportunités du moment. Et en parlant d'opportunités, nos partenaires de choix et de qualité sont également là. On va faire un tour de l'autre côté pour la publicité. Si tout le monde en offrait plus pour Noël. Avec l'incroyable Noël des bouquets Canal+, profitez du décodeur HD à 5000 francs au lieu de 10 000. De la parabole offerte, de 10 nouvelles chaînes et des meilleurs programmes. C'est une super idée. À toi l'honneur, je t'en prie. Wow. Toi et moi, mon grand, pour toujours. Bienvenue sur Recettes d'Afrique. Pour passer les plus belles fêtes de fin d'année, abonnez-vous vite. Kiddy Hawk, c'est trop bon. Kiddy Hawk, c'est trop bon. Ah.
Kidia, c'est trop bon. Kidia, c'est trop bon. Kidia, c'est trop bon. Alors, merci donc à nos partenaires qui nous accompagnent. Nous vous accompagnons donc dans la réalisation de vos objectifs. Nous sommes à la fin de l'année. Vous êtes une entreprise. Vous avez besoin de mettre de la visibilité sur vos produits, sur votre entreprise. Vous avez une entreprise, vous avez des produits de qualité. Eh bien, vous avez un canal pour vous accompagner avec une stratégie de communication à la pointe. Un détour, le dernier, comme d'habitude, avec Kenneth. Le rappel de la combinaison magique, c'est le 90-00. 16, 15, les D'accord. habitués savent justement ce qu'ils ont derrière, cette combinaison, les D'accord. résultats qu'ils ont derrière. Pour ceux qui hésitent, c'est le moment d'appeler. Nous sommes dans la bonne transition avant la fin de l'année. C'est le moment où on saisit justement les bonnes propositions, D'accord. les bons plans, parce que nous avons beaucoup de propositions pour vous justement cette fin d'année. Composez ce numéro et vous bénéficiez de ces opportunités. Merci Kenneth, 90 00 16 15. La combinaison magique pour joindre le service commercial de Eden Télévision. Monsieur Serge Patrick Dimbredo, un mot avant de partir. Oui, le mot que je donne, c'est de faire recours à notre spaghetti. D'accord. Et une bonne recette pour la fête. Mm-hmm. Et vous faites par exemple du coquillette, salade de coquillette au thon. D'accord. Le thon, c'est quoi? C'est un poisson qui donne du goût. D'accord. Et ce n'est pas le thon en boîte. Hein. Non, non, non. Donc, et assez de recettes avec vous. Beaucoup de recettes avec vous. Pour justement manger sain et manger bien avec les produits de la gamme Matanti. C'est pas l'ouest. Oui. Exactement. Merci également à tous ceux qui sont restés en notre compagnie. Merci à ceux qui sont restés de l'autre côté de la régie et surtout l'équipe de la diffusion sur le sentier Ovra de Glodjigbé. Nous, on va se retrouver après-demain. Voilà, parce que désormais, retrouvez donc Shop & Shop tous les lundis, mercredis et vendredis. Trois fois dans la semaine, nous serons donc à votre disposition. Et les mardis et les jeudis sont consacrés à notre nouvelle émission, Le Défi de Midi. Alors, retrouvez-moi demain, jeudi, sur Le Défi de Midi à partir de douceur avec une équipe de choc. Prenez soin de vous, bon appétit et bye bye.